On va essayer de vlogger un peu, même si c'est chaud, je t'avoue, quand je taffe en ce moment, tu vois. Mais j'ai fini The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Oh, c'est un livre génial. Oh là là, il faut le lire. Hein. Et en vrai, il faut le lire. Je sais pas s'il existe en français, mais oh, il faut le lire ce truc. C'est chaud, quoi. Bon, en fait, je voulais sortir maintenant pour faire une race un peu, tu vois. Mais je vois que. Enfin, pour faire la vidéo, mais je vois que j'ai pas de race. Du coup, on va arranger ça un petit peu, quoi. On va faire le lit aussi. Ah ouais, hier j'ai fait serveur, ils m'ont mis du coup sur le parquet pour faire pas serveur, mais en fait moi je nettoyais les verres et tout, mais petit à petit je vais faire serveur, t'es mal tablier qui m'avait filé. Bon d'habitude j'ai un jean bleu, tu vois, j'ai pas ce vieux jogging pourri, mais c'est stylé non? T'as des poches et tout. Avant qu'on commence, faut juste que je te montre un truc. Un truc qui est valable dans toutes les chiottes d'Australie quasiment. C'est ce truc là. C'est une boîte jaune en fait, dans laquelle il. Enfin, je pense que c'est un truc pour les gens qui se piquent, tu vois, qui se droguent et tout. Et... Il y a toujours plein d'aiguilles et tout. Et tu sais, moi, j'aime pas les aiguilles, putain. J'arrive pas à m'imaginer comment ils se. Bon, allez, je me mouche. Et on y va. Bon, là, ça souffle vénère. Du coup, j'espère que tu vas m'entendre. Je pense que normalement, ce micro, il est pas trop sensible au vent, donc c'est cool. Pour moi, c'est toujours un prérequis maintenant de bouger un peu, surtout quand tu travailles. Je sais pas si tu travailles, je sais pas si tu bosses en job d'été ou en plein temps, tu vois, mais c'est vrai que. C'est vrai que quand tu travailles, t'as sûrement remarqué que t'as pas beaucoup de temps pour toi et pour bouger. Et pour moi, je prends toujours le truc le plus proche de chez moi. Et là, il s'avère que c'est un parc pour enfants, mais c'est génial. Il y a des trampolines et tout, tu vois, c'est juste derrière moi là. Mais après, bon, il y a toujours le revers de la médaille, c'est que je passe pour un pédophile, tu vois, avec ma caméra à sauter sur des trampolines. Mais bon, j'ai des meilleures intentions que ce que pensent les gens. Bref, et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un dernier truc, tu vois, un dernier truc un petit peu glauque d'ailleurs. Et après, on en finira avec tout ce qui est Mark Manson et tout. Et la semaine prochaine, on passera à la création de contenu, la création de vidéos et la création tout court, parce que moi, ça m'a changé la vie, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais te parler de la mort. Ouah, ouais, là, je suis perché sur mon îlot, ce sera pas mal. Non, on est un peu loin là. Ouais, tu sais, moi, ça m'a toujours intrigué ces histoires de personnes qui ont connu des drames, et notamment des drames qui mettaient en cause la mort d'un proche ou d'un être aimé, tu vois. Et tu sais, ces personnes qui sombrent dans une profonde, profonde dépression, et pendant des mois et des mois, et un jour, elles ont un déclic, et tu sais pas comment, mais dans l'année qui suit, ou dans les 2 années qui suivent, ah bah tiens, génial, il y a un banc là. Elles deviennent les personnes les plus successful de tout leur entourage, enfin même si successful, enfin elles se créent un environnement, elles se créent une vie qui leur convient, elles réalisent leurs rêves quoi. Et moi j'ai toujours été un peu, attends je vais te poser là. Moi j'ai toujours été un peu, bon tu vas rien voir là. J'ai toujours été un peu pas jaloux de ces gens là, mais j'ai toujours été curieux du système, de ce qui se passait dans leur tête, tu vois. Attends, putain, mais... J'ai toujours été curieux un peu de ce qui se passait dans la tête des gens, on en a déjà parlé, mais... moi, ça a commencé à me saouler à un moment, les histoires des gens qui perdaient tout et tout, et qui au final réussissaient le mieux. Tu sais, quand tu regardes, t'as toujours cette histoire de l'entrepreneur de ouf, hein, quand tu regardes Steve Jobs, quand tu regardes Elon Musk, tu regardes tous ces gens-là. Tu sais, c'est des gens qui ont vécu un truc hardcore dans leur vie, ou alors qui sont partis de rien et tout. Et moi, je me suis toujours considéré un petit peu comme, enfin, pas chanceux, mais j'ai eu une enfance normale, quoi. Tu vois, j'ai pas eu de drame particulièrement, vraiment pas. Et du coup, je voulais essayer. Enfin, j'ai toujours été intrigué par ce qui se passait dans leur tête et tout, et j'ai pu enfin mettre peut-être un poil sur. j'ai peut-être pu comprendre. Ce qui se passait réellement en fait dans la tête de ces gens-là, et j'aimerais te le partager aujourd'hui parce que c'est hyper important. Enfin moi,
ça m'a vraiment mis un choc au moment où j'ai lu ça. En fait, apparemment, ce qui se passe, c'est que bon, souvent, t'as quelque chose d'hardcore qui arrive, donc c'est dépression, mort d'un proche, licenciement, tu vois, de licenciement de sa propre boîte pour Monsieur Pomme, ou des choses vraiment dures, tu vois, qui arrivent comme ça, boum, dans la vie. Et du coup, grosse dépression, grosse déprime, en mode le mec ou la fille, tu vois, elle se pose des questions sur lui-même. Attends, il y a vachement de vent, je sais pas si tu m'entends, mais il se demande, ouais, en fait, à quoi bon et tout. Là, c'est dans l'exemple du livre que j'ai lu, là, de Mark Manson, c'est, en fait, Mark Manson, il perd son meilleur pote, tu vois. Un jour, ils vont à une soirée, et ils vont à une soirée dans le désert, et il y avait, dans une maison sur une colline, et en bas de cette maison-là, en bas de la colline, il y a un énorme ravin, en fait, et... un moment, à Marc et son pote, ils sont bourrés, tu vois, ils rigolent et tout, en mode, ouais, est-ce que tu penses que c'est possible de le sauter, ce ravin, machin? Et du coup, ils débattent là-dessus, et son pote lui dit, ouais, peut-être, je sais pas, et tout. Et à un moment, Marc, du coup, il tchatche un peu avec une fille, un peu une asiatique, tu vois, qui aime bien les jeux vidéo, et lui, c'était un gros geek à l'époque, du coup, bon, il flirte un peu. Et il lui propose d'aller bouffer un truc dans la maison en haut de la colline. Du coup, il monte avec la fille, et sur le moment, il croise son pote. Et il lui dit où est-ce que je peux te retrouver. Et là son pote lui dit un truc du genre tu me retrouves, cherche la vérité pour toi-même. Mais le pote était bourré, tu vois, il avait 20 ou 21 ans. Et il dit cherche ta propre vérité et on se retrouve là-bas, tu vois. Et Marc il dit mais quoi, enfin t'as clair, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie et tout. Du coup il se sépare, il va bouffer un truc avec sa copine. Et au moment où il ressort, genre 2-3 heures après, t'as les flics partout, tu vois, et Marc va voir ce qui se passe. En fait, il y avait un gars qui a sauté au fond du ravin, ou du moins qui était tombé là, parce qu'il était bourré ou je sais pas quoi, c'était son pote, et voilà. Et donc, du coup, grosse déprime, tu vois, il est vraiment déprimé je crois que ça a duré même un an, tu vois. Et du coup, dans la tête de ces gens-là, à ce moment-là, attends, on va peut-être un petit peu bouger encore, ou alors je te prends comme ça, juste. Dans la tête de ces gens-là, à ce moment, ils se disent, mais en fait, il y a cette réalisation que rien ne compte en fait autour, que tout est complètement éphémère, tu vois, et que à quoi bon faire quoi que ce soit. J'imagine, tu vois, quand tu perds quelqu'un de proche, enfin tu sais, je veux dire, moi je suis dans une relation, bon, il y a pas de mariage, il y a rien, tu vois, mais je veux dire, t'as même, pour reprendre le cas de mon meilleur pote, si aujourd'hui je perdais mon meilleur pote, tu vois, je veux dire, ça va faire bientôt un an qu'on s'est pas vu, mais enfin imagine-toi dans la situation où on t'appelle, on te dit ouais, machin est mort, tu vois, hier, il a fait overdose, ou je sais pas, il s'est pris un coup de couteau en soirée, enfin des trucs glauques, je sais même pas pourquoi je te parle de ça. Mais imagine un peu le truc. Et bon, du coup, Marc là, il se dit, tu vois, enfin, j'imagine bien que tu te dis, mais en fait, à quoi bon, tout est vain, on va tous crever un jour, tu vois, et t'es mal, tu te dis, mais putain, mais ce pote, il était là il y a 2 semaines, et aujourd'hui, cette relation, c'est devenu une sorte de fantôme, quoi. Donc pendant des mois et des mois, il déprime, et un jour, il arrive à la réalisation, tu vois, vraiment, il avait touché le trou du fond, le fond du trou, je sais pas. Et enfin vraiment désespéré et tout. Et un jour, il arrive à la réalisation que, en fait, mais si rien ne compte au final, et si rien n'a d'importance, tu vois, que au final, peu importe ce que tu fais, tout est rien. Tu sais, il y a ces phrases un peu de philosophie chelou des fois. Quand tu les lis, que tu lis pas le contexte, tu comprends rien, genre en mode tout est poussière ou tout est que dalle, tu vois. Et il arrive à cette réalisation-là, il dit mais si tout est rien en fait, et si tout ce qu'on fait est vain, mais l'inverse compte complètement aussi, c'est-à-dire que pourquoi ne pas tout faire en fait, pourquoi ne pas tenter, tu vois, pourquoi ne pas tout essayer. Et c'est ce jour-là où il a cette réalisation, et j'adore le passage du livre, tu vois, il est sur son canapé en mode en regardant le néant comme ça, tu sais, comme des fois où tu phases, et il a cette réalisation-là, et il se dit, mais putain, mais il en avait marre, tu vois, d'être dans cet état-là, et il se dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi ne pas tout faire, quoi, pourquoi ne pas tout essayer. Et apparemment, du coup, c'est vraiment ce truc-là qui est dans la tête des gens, et moi, ce qui m'a un peu fasciné, du coup, ça, c'est vraiment la fin du bouquin, si tu le lis. Mais c'est cette approche de la mort, tu vois, parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler, surtout en ce qui concerne le développement personnel, même si c'est quelque chose qui... Enfin, tu sais ce que c'est la mort, c'est tabou, tu vois, je veux dire, combien de fois, on parle de la mort avec nos proches. Honnêtement, je pense que j'ai dû parler de la mort 2-3 fois,
cette année avec mes proches et notamment avec une personne, parce que mon père notamment il dessine des BD qui se passent dans le néant, donc c'est un univers un peu chelou, mais voilà, c'est hyper rare, c'est hyper tabou. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que quand on y pense, attends, je vais me reposer un peu. En fait, ce qui devrait pousser tout un chacun à réaliser ses rêves, tout simplement, c'est pas de vouloir, tu vois, laisser une trace dans le monde, parce que c'est un truc qui est vraiment propre à l'humain. C'est pour ça que les gens marquent leur nom sur des buildings. C'est pour ça que les gens signent leurs tableaux, tu vois, leurs œuvres d'art. C'est pour ça que les gens mettent des crédits à la fin des vidéos ou des films. C'est parce que l'homme qui sait qu'il va mourir, parce qu'on sait tous qu'on va crever, à cette volonté de poser sa marque, tu vois, à cette volonté d'avoir des projets d'immortalité en quelque sorte, de tu vois, quand tu regardes tout autour de nous, je veux dire, tout ce qui nous entoure, les voitures, les smartphones, les téléphones, c'est ça qui pousse l'homme à innover au final, tu vois, c'est ça qui pousse l'homme à aller toujours plus loin, c'est parce que l'homme veut rester immortel en fait, l'homme veut laisser sa trace dans le monde, et c'est ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui, tu vois, c'est ça la source du progrès en réalité. Et ce qu'il disait à la fin du livre, c'est que en fait ces projets là cette façon de voir les choses, c'est bien, mais la vraie solution en fait, c'est d'abandonner, c'est de lâcher complètement prise sur ces projets là sur ces projets d'immortalité en fait, d'arriver à une espèce d'état spirituel en quelque sorte, même si j'aime pas trop le concept, mais que d'accepter ce qui va arriver, tu vois. Et à partir du moment où t'acceptes que la mort va arriver et que tu seras plus rien, tu vois, à un moment, c'est hyper glauque ce dont quoi je te parle là, mais c'est chaud et c'est vrai en même temps, et franchement ça me tient à cœur parce que c'est tellement important. C'est à partir de ce moment là que tu réalises ça, que tu commences à vraiment porter ton attention et à vraiment concentrer tous tes efforts sur ce qui compte uniquement, tu vois. Et que tu oublies toutes les distractions, que tu oublies tous les parasites, tous les gens, tous les avis, tous les critiques, tous les regards des autres. Quand tu réalises que tu vas crever, tu te concentres, tu t'en as plus rien à foutre en fait, tu vois. T'en as plus rien à foutre de ce qui est pas important. Et moi, c'est ça qui m'a, boah, tu vois, à la fin du livre, ça m'a... C'est pas le premier à parler de ça, tu vois, il y a Ido Portal qui parlait de méditer sur sa propre mort et tout tous les jours, et ça fait hyper glauque quand on en parle comme ça, mais j'ai envie de dire pourquoi c'est glauque au final, parce que la mort c'est juste le revers de la médaille, tu vois, c'est juste l'autre face de la pièce qui fait autant, tu vois, qui est aussi importante que la première phase. Genre s'il y avait pas de mort, si on était tous immortels, il y aurait aucun goût pour la vie, tu vois. S'il n'y avait pas cette peur de crever, il n'y aurait pas cette volonté, cette envie viscérale de réaliser, de profiter de l'instant, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est dommage que ce soit quelque chose de tabou. C'est dommage que... Pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment propre à notre culture. Parce que, enfin, tu le sais, dans les cultures asiatiques, j'y connais pas plus que ça, tu vois. Mais je sais que c'est quelque chose de beaucoup moins tabou. C'est souvent quelque chose qui est célébré, même dans certains pays. T'as des trucs hardcore, t'as des trucs où, en fait, ils momifient les morts, tu vois. Et à leur anniversaire, ils ressortent les cadavres, donc pétrifiés comme ça, ils les mettent à des tables et ils bouffent ensemble et tout. J'avais vu une émission là-dessus. Mais pour dire que c'est l'approche de la mort, elle est vraiment différente dans les pays, quoi. Mais ouais, c'est un truc à bien se remémorer, tu vois. Et tu te sens jamais aussi vivant que quand tu passes près de la mort, tu sais. Tu te sens jamais aussi vivant que quand tu te mets au-dessus d'un ravin comme ça, que tu regardes le vide et que tes jambes commencent à trembler, que tes mains, t'as des fourmis, tu sais, tu commences à transpirer des mains et putain, mais tout ton corps se bloque et tout. Et tu te sens jamais aussi vivant qu'à ce moment-là. Donc ouais, c'est juste ce que je voulais te partager, parce que c'est ça qui se passe dans le mental des gens qui perdent énormément sur le moment et qui choisissent justement d'en avoir rien à foutre de l'inimportant, tu vois. Donc voilà, ça fera une vidéo un peu longue, un peu glaucose, tu vois, mais je voulais t'en parler, on n'en parle plus. La semaine prochaine, on parle de création de contenu, on parle de vidéos, on parle de tout ça. Ça faisait longtemps que je voulais t'en parler. Enfin, on va parler aussi des concepts au-delà de la simple vidéo et tout. Mais j'aimerais qu'on parle de trouver sa thématique, j'aimerais qu'on parle de vraiment arriver à retranscrire qui on est au travers des vidéos, être à l'aise devant la caméra. On va parler de tout ça la semaine prochaine, j'ai 3 jours de congé, on va bosser hardcore là-dessus. Donc voilà, moi je te laisse d'ici là, je te dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Je sais plus, j'avais un appel à l'action, mais je me souviens plus. Je voulais un truc vraiment vachement important. Ouais, je sais plus, du coup ce sera pour la prochaine fois. Moi je te dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.
quand tu te considères comme unique et quand tu te considères comme destiné à quelque chose de grand, tu te crées une prison de laquelle tu veux pas sortir parce que tu n'auras pas du tout envie d'essayer. Tu sais combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça a dû t'arriver aussi peut-être que, je sais pas, il y a un job, tu vois, et que tu te dises putain ouais quand même, franchement ça me rabaisserait de faire ça, ou franchement ce truc là c'est pas pour moi, tu vois.